Bien voilà, ça c'est la direction du nord du Cabo Tegal et Pecos Agolios. Donc je viens de quitter Saint-Andrés de Tejedo, qui est un charmant petit village, mignon comme tout. Quand on arrive depuis Ferrol par El Camino de Saint-Andrés, c'est vraiment très sympa, très mignon, c'est vraiment un chemin de chèvre. Saint-Andrés est dans le bas là-bas, mais on ne voit pas l'église qui est vraiment beaucoup plus bas. Et avec beaucoup d'ex-voto d'ailleurs, certains très très récents, il y a toujours une grande dévotion pour le Saint-Andrés de Tejedo. Et donc, oui, quand on sort du village, par contre, on emprunte toute une rue pleine de marchands du temple. C'est vrai que c'est quand même assez touristique. Hein. Donc là, je reprends le chemin, donc toujours des chemins de chèvre. Pour rejoindre El Cabo El Tegal et ensuite de là partir sur Olteguiera. Et le site où je me trouve ici, bah, finalement, c'est celui où Leslie Howard a trouvé la mort en 43 lorsque son avion a été abattu par la Luftwaffe. Et donc là, je suis au niveau d'un mirador, comme on dit, avec bien sûr un crucero que voilà. Mais il est temps de reprendre la route.